monde, ici Émilie de Fujifilm Canada. Je suis ici pour vous parler des appareils de série A de Fujifilm. Donc, les appareils de série A qui sont des appareils parfaits si c'est votre premier appareil photo puisqu'ils sont très faciles à utiliser et qu'ils offrent une foule de caractéristiques intéressantes et des menus à l'écran, des menus d'aide à l'écran aussi qui vont vous permettre de naviguer à travers les différentes caractéristiques et fonctions de l'appareil. Donc, les Fujifilm de série A sont en fait divisés en deux séries, la série AV que j'ai ici et la série AX. Pourquoi? Parce qu'on a décidé d'offrir les appareils avec différentes valeurs de zoom et différentes valeurs d'écran ACL. Donc, ils seront offerts avec zoom 3 et 5X et avec écran ACL de 2,7 et 3 pouces. Les appareils seront aussi offerts en différents choix de couleurs. Donc, il y a bleu, rouge, rose, noir et argent. Donc, il y en a vraiment ici pour tous les goûts, tout dépendant de qu'est-ce que vous aimez et de quelles sont vos préférences. La première caractéristique pardon que j'aimerais porter à votre attention, c'est la capacité d'enregistrer des vidéos et des photos en haute définition avec ces appareils-là. Donc, c'est vraiment une fonction extraordinaire pour ce type d'appareil. Tout ce que vous avez à faire, c'est brancher votre appareil à votre téléviseur et vous pouvez visionner vos photos en haute définition, ce qui est bien parce qu'aujourd'hui, tout le monde a des écrans plasma ou des écrans à cristaux liquides. Donc, c'est un des bons avantages de cette caméra-là. Une des fonctions que moi, et c'est totalement une de mes préférées, c'est la reconnaissance intelligente de la scène. Donc, la reconnaissance intelligente de la scène, ce que ça fait, c'est que l'appareil va détecter automatiquement le type de scène à laquelle vous êtes en train de photographier et va s'adapter en relation avec les conditions de la scène. Donc, si vous êtes en train de photographier, un sujet et vous avez besoin de votre lentille, vous avez besoin d'être en position macro. Donc, vous êtes très près à 5 ou 6 cm de votre sujet, l'appareil va automatiquement le détecter et va automatiquement changer la position de scène pour macro. Même chose avec paysage, même chose avec 3 ou 4 autres modes. En fait, je crois qu'il y a à peu près 6 modes à travers lesquels l'appareil va pouvoir choisir automatiquement. Une autre fonction disponible dans la série A, c'est le mode panoramique. Donc, vous allez prendre 3 photos successives et l'appareil va vous permettre de mettre toutes ces photos-là ensemble, de les coudre ensemble et ça va vous faire une photo panoramique. Donc, une belle façon, lorsque vous êtes en voyage, de prendre une photo d'un paysage qui est... des fois, on n'est pas capable de prendre tout le paysage au complet. Donc, ça, c'est une belle façon d'y arriver. Une fonction très intéressante de l'appareil, c'est la fonction de lumière naturelle et avec flash. Donc, j'appuie sur le déclencheur et en appuyant une seule fois sur le déclencheur, mon appareil va prendre 2 photos consécutives. Une avec le flash, une sans flash, de la même scène. Donc, ça me permettra, selon ma préférence, de regarder quelle photo a la meilleure ambiance et d'en choisir une des deux. L'appareil est offert avec une sensibilité ISO de 3200. Donc, c'est très bien lorsqu'on essaie de prendre des photos en basse lumière. L'appareil est aussi offert avec une garantie canadienne de 2 ans. Donc, vous n'avez pas à vous en faire avec... si vous avez à faire l'achat d'une garantie, qui est autre que celle du manufacturier. Donc ça, des fois, c'est peut-être des coûts de moins. Une autre fonction très bien avec cet appareil, c'est la stabilisation de l'image. Donc, en utilisant les fonctions d'ISO, l'appareil va s'assurer qu'il n'y a pas de flou et que vos sujets sont proprement exposés et que vous avez une belle balance des blancs aussi dans les photographies. Et la dernière fonction que j'aimerais porter à votre attention, c'est la fonction de détection des visages et autocorrection des yeux rouges. Donc, si vous avez à prendre une photo d'un portrait, on peut aller jusqu'à peut-être 10 personnes dans le cadre. En appuyant sur le déclencheur, l'appareil va s'assurer que tous les visages sont proprement exposés et que la mise au point est juste et qu'on voit bien les visages, que les couleurs sont belles et que les photos sont intéressantes. Donc, c'est tout pour la série A de Fujifilm. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions à propos de cette caméra, je vous invite à nous envoyer une question et on sera très heureux d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes photos. Ciao!